Pour expliquer les nombres 30, 40, 50 et 60, on veut regarder les mots de vocabulaire encore. Alors, on voit 30, 40, 50, 60. Alors, on entend le « entre, 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 entre ». Qu'est-ce que le « entre » représente? C'est les groupes de 10. Le début du mot « tre, car, cinq et soit » représente combien de groupes de 10 qu'il y a? Alors, on va regarder ceci. 30. On entend le « entre », alors on sait qu'il y a groupe de 10. Combien? Tre. Ça, c'est comme 3. Alors, 3 groupes de 10. Trente. 40. On entend le « car », ça, c'est comme 4. Entre veut dire groupe de 10. Alors, combien de groupes de 10? 4. 1, 2, 3, 4. Car, entre. 50, on entend le 5. Alors, il y a 5 groupes de 10. On entend le entre, alors ça, c'est groupe de 10. 60 maintenant. On entend le entre, donc on sait qu'il y a groupe de 10. Combien? Soit. Ça, c'est comme le nombre 6. On peut enlever le O pour montrer aux élèves. Ça, c'est comme le 6. 6 entes. Ils disent, pourquoi est-ce que ce n'est pas 6 entes? Et je dis, ça devrait être 6 entes, mais ce n'est pas. Je n'ai pas inventé le français. Alors, il faut juste qu'on sache que c'est 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 10, 60. Ça, c'est comment on explique. Puis après, on va passer à la pratique.